Salut à tous, je suis Gilles V et on se retrouve sur Memoria pour piller à Manitoré, même si je devrais, je pense, changer de ville. Mais bon, tant qu'on est là, autant piller 1000 pièces d'or par tour. Alors ici, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire une banque en un tour, tu peux me faire un grenier, ou un grenier en deux tours. Un grenier en deux tours, c'est pas mal. Tu peux me faire une usine. Allez, fais-moi une usine, ça va un petit peu booster les gens qui sont autour. On va bientôt débloquer nationalisme. Si on débloque nationalisme, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Pendant ce temps-là, nous sommes sur le raffinage. J'espère qu'on a des puits de pétrole. Je vais regarder cette ville. Je vais regarder cette ville. Ouais, je peux pas faire de. Je peux rien faire dans cette ville. Dans le désert, il y a souvent du pétrole. Il y a souvent du pétrole. Ici, on vient de finir un bâtisseur. Tu peux faire le théâtre Bolchoï. On s'en moque un peu. Fais un archéologue. On va avoir besoin des Raskors dans cette partie. Donc du coup, tu vas venir ici. Ouais, j'ai bugué là. J'ai bugué. Je peux faire un triangle de ferme. Il a pas fait de ferme. Je peux faire des scieries. Allez, fais-moi des scieries du coup. Donc là, on a perdu une carte. C'est quelle carte qu'on a perdue? Il y avait une carte ici. Alors, est-ce que j'ai besoin de suite et tout ça? Non, j'ai mes unités qui sont soignées, si on veut. J'ai perdu une carte. Alors, je peux prendre grande armée, combat rapproché jusqu'à l'ère industrielle. Voilà. On va enlever suite. Je vais fermer cet écran. On va regarder cette ville qui est en train de faire l'arsenal de Venise. Ok, on va virer ça. Donc le premier dirigeant envoyé compte pour deux. Conscription, je peux toujours mettre conscription. Ah oui, d'accord, c'est pillage. D'accord, où est-ce que ça se trouve son... Guerre totale, rendement plus 50% pour les pillages et tout ça. Allez. Donc là, j'ai mis Ligue Diplomatique, c'est parce que je vais prendre Nazca. La cité est attaquée, là. On va prendre Nazca. Elle appartient à personne. Allez. Je mets 10 émissaires comme ça. Waouh. Ok, donc là, on a Nazca. Y a pas de problème. Est-ce qu'il y a un musée archéologique pas loin? Non, ici, ça risque pas, y a pas de musée. Là, il y a un musée archéologique ou pas? On va voir ça très vite. Ok, on achète un archéologue. Ici, on va acheter... Non. On va acheter un bâtisseur ici. J'ai dépensé beaucoup de thunes, mais ça va aller. Oh non, il s'est perdu. Merci bien, tu viens de payer mon bâtisseur du coup. Alors, cette ville, on va d'abord la piller avant de... Ok, j'ai de la foi. Ok, j'ai de la foi, c'est cool. C'est cool. Ouais, là je vous avoue que je me sens un peu arnaqué là. Ok, donc là tout est pillé. Je suis désolé de te rendre une ville comme ça. Tu peux venir ici attaquer lui. Oh, Bien qu'en large infériorité numérique, notre frégate a remporté la victoire. Ouais, c'est des choses de fou qu'on fait. On tire d'une safe distance. C'est du courage. Donc là, on va pouvoir rapprocher notre frégate. Est-ce qu'il y a une autre... Oh, il y a une zone ici. C'est quoi ça? C'est une zone industrielle. On va piller ça. C'est une cité... Vous vous rappelez? C'est pas grave. J'étais censé en fait monter cette bombarde. Donc là, tu vas me mettre des bois et tu vas me mettre une scierie après. La catapulte qui est là, tu vas passer ton tour. Cette ville va changer, c'est sûr. Le Caroléen qui est là. Oh! Le canon de campagne ici. Tu te mets bien aussi. Le régiment.
Allez, soigne-toi, je sais pas d'où tu viens. Soigne-toi. Retranche-toi. Ok, donc là je veux de la production. Meroé, 39 pièces d'or. Vingt-cinq, ok, ça va. Va à Rome. Punaise quoi. Alors ici, je veux de la production, ouais. Et oui, réforme de la monnaie, c'est pas mal. Allez, tu vas mettre ça en place. 3 de nourriture, 36 pièces d'or et tout ça. Ah, oh, c'est bon ça. Ok. On a doublé notre argent, c'est chaud. Un cuirassé, là nous sommes en train de faire un espion. Là, ok. Ça n'avance pas bien en fait, ça n'avance pas vite. La centrale qui est ici nous donne de la production. L'usine. Oh là là. Ils sont en train de se battre. Alors, Pingala était sorti de la ville. Ok. C'est 15 de culture et 15 de machin. Donc du coup, j'ai perdu C'est la pas mal. révolution. Urbanisation. Donc là, on va choisir mobilisation, bien évidemment. On va pouvoir faire des armées, enfin. Ok. Est-ce que t'es prêt de prendre un level? Non. Toi, oui. Toi, non. On va buter d'abord l'autre. Ok, toi tu vas me piller cette case. Ça me donne de la science. Ok, donc là on a pillé les cases de la ville. Il manque cette case-ci. C'est un campement en construction. Bien sûr. Bien sûr, on va te laisser construire ça. Oh non. Regardez l'erreur que j'ai faite. J'ai plus d'unités. Bon, je sais pas combien de tours il va lui rester. Non, mais ça va. Ça va aller. Caravelle. Bah non, je peux plus prendre la ville. Je peux plus prendre la ville. Donc on va venir ici. Donc j'ai acheté un bâtisseur ici. Tu vas venir ici, tu vas mettre des lignes de Nazca. On va voir ce à quoi ça va ressembler. 9 tours. Allez, on va essayer de voir si on peut accélérer tout de suite au lieu d'attendre. Du pain et des jeux. L'impact de cette ville sera plus grand en fait. Le Caroléen, tu restes là. Le Caroléen ici, tu restes là aussi. Viens ici. Je pense qu'il a plus d'unité, le petit Pierrot. Le régiment, tu passes. Toi, tu fais une scierie. C'est quoi ici? C'est une lore en construction. Allez, on va mettre cette mine en place. Ça fait de la production à la ville. Il reste plus qu'un endroit. On va mettre une ferme. On va mettre une scierie. Alors, le mousquetaire. Le mousquetaire est à côté d'un truc ici. Est-ce que je change de doctrine? Qu'est-ce que j'ai? J'ai guerre totale. Ok, donc ça, ligue diplomatique, on vire ça. On va mettre... Ah, modernisation forcée, ça c'est très bien ça. Voilà, les deux cartes sont fusionnées, chose qu'il y avait avant. Donc là, ce que je vais mettre, c'est machiavélisme. Ok, avant de changer le tour, je reviens ici. 14 tours pour finir ça. Je peux pas accélérer parce que j'ai ramassé toutes les forêts. J'ai Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, j'avais pensé à faire la rure dans cette ville. Mais je sais même pas si j'ai débloqué la rure. Ah bah si, elle est là. Okay. Bon, on va voir si on peut faire la rure dans cette ville, du coup. Il faut une usine. T'es en train de construire ton usine.
Ok, construire deux centrales à charbon. On va passer à raffinage, ouais, autre chose. Non, je vais regarder où est-ce qu'on peut. Ici, Orebro, est-ce que je peux t'acheter une centrale à charbon? Bah, il faut que j'achète d'abord ton usine. Il n'y a personne d'autre qui a une usine. Non, Novgorod, ça risque pas. Ça risque pas. Ici, est-ce que t'as fait une usine? Non, t'as pas fait ton usine. Comment je peux faire? Comment je peux faire? Très vite, ici. On va acheter l'usine. Et du coup, on va acheter la centrale à charbon. Voilà, raffinage de débloqué. On a trois endroits avec du pétrole. Oh punaise. Je le vois pas le pétrole ici. Dis-moi qu'il est. Il est pas là. Il est pas là. Il est en dessous de la ville. Il est en dessous de la ville, ok. Ça va, on va le choper. On a du pétrole ici, délicieux, délicieux. Ah, j'en bave là. J'en bave. Et le troisième. Le troisième est en dessous de notre. Oh là 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 là. Les lignes de Nazca. Ah, punaise. Ouais. Voilà. Il faudrait que je me pose. Il faudrait que je me pose, genre, je sais pas, peut-être 1 heure ou 2, que je regarde les cités-états et que je les classe. Ouh, c'est une armée qui nous sort. D'accord, c'est une armée. Du coup, le Caroléen, là, il va se faire ouvrir, hein, c'est sûr. Ouais, toi aussi, tu vas te faire ouvrir, en fait. Reste là. On va essayer de l'affaiblir au maximum. Le canon de campagne, ok. Tant qu'on l'affaiblit, il n'y a pas de problème. Tant qu'on l'affaiblit, il n'y a pas de souci. Il fera moins de dégâts et donc il aura moins de chances de buter nos unités. Une armée, ça prend du temps à faire. Donc là, je vais rapprocher le Caroléen. Comme ça, il y a un petit bonus. Je pense pas qu'il s'applique vu là où il l'attaque. Il n'y a pas le bonus de contournement qui l'aide. Tu peux venir ici. Toi, tu passes ton tour. La bombarde. La bombarde, je peux pas attaquer avec toi. Le mousquetaire. Je peux upgrade le mousquetaire parce que j'ai eu du pétrole. Je sais pas comment. Mais c'est ma ville qui m'en a produit. D'accord. Tu peux changer de place avec lui? Ok, c'est parfait. On va faire ça. Et du coup, je vais fusionner. Oh, j'ai pas mobilisation. Ah là là là, la frustration. À 4 tours près. La frégate. Les frégates ici sont bien. Certaines ont leur promotion, d'autres pas. On va avancer un petit peu. On va attaquer. Toi, tu vas reculer, tu vas attaquer la ville. Toi, tu vas enlever tous les PV de la ville. Toi, tu vas venir ici. Et en fait, tu vas venir là pour prendre ta promotion. Ok, tu peux pas. Ok, on va capturer la ville. Mais il y aura encore cette unité, donc du coup. Ah non, t'as ta promotion. Est-ce qu'il peut mourir? Ah, je suis trop loin. Ouais, je suis trop loin. Ici, je suis trop loin aussi. Allez, vas-y, attaque la ville si tu veux. Ouais, j'ai utilisé toutes les cases en fait. Bah, prends ta promotion du coup. Voilà, on va capturer la ville, il va disparaître. Enfin, il va pas disparaître. Prends ta promotion ici. Ok. Il va pas disparaître, il va essayer de prendre la ville. Donc là, on va la rendre à Nunmadol. Voilà, on a tous été éjectés, lui aussi. 32 défense, Nunmadol, quand même. Hein. Elle a du retard à prendre. Mais on sera là pour la défendre. Titre de gouverneur. Pingala, je peux le promouvoir. Ça me sert à rien. Amani m'intéresse bien. J'ai un titre de gouverneur. On va mettre Amani ici. On va mettre Amani à la place de Victor.
Kazan. Voilà. Victor, je vais l'envoyer à Novgorod. Ok. Et du coup, je vais envoyer Moshka dans une ville qui aurait besoin de lui. Par exemple, ici, on peut envoyer Victor là. Ah, Victor, Moshka. Comment elle s'appelle? Göteborg. Voilà. Et donc là, il me faut une promotion. Ça va être celle-là. Le spadassin qui est là, ben, je peux revenir de toute façon dans la ville. Le spadassin peut venir ici, y a pas de problème. Le colon, je sais pas où je pourrais mettre un colon. Apparemment ici, je peux mettre une ville. Le colon. Ben, je peux pas laisser le colon tout seul en fait. Je vais mettre le colon avec la caravelle pour que la caravelle le ramène. Ok, donc ici tu peux venir ici. On va mettre. Ah, mais j'ai déjà mis mon truc ici, d'accord. Alors, le régiment carolien, mettons en défense. Ici, tu vas venir là, tu vas mettre des bois. Je suis sûr que Nazca fera partie de mes cités-états préférées. Mais non, mais. Les lignes, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi ces lignes de Nazca. C'est vraiment n'importe quoi. Ça booste, mais tellement. En plus, là, ça s'auto-booste. Les cases de désert qui sont pas du tout viables deviennent tellement viables que tu te dis, mais mec, t'es sûr qu'on est dans un désert là? Elle me donne 117 pièces d'or. On va d'abord la traumatiser un petit peu. En tout cas, ici, c'est réussi. Donc, voilà, Erascore plus 3, merci. Et dis-moi merci, Mathias. Punaise, quoi. Le mec, il a profité, il a eu 100 faveurs diplomatiques comme ça. Ok. 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 Donc là, le colon. On va voir un petit peu la ville à 32 défense. Ok, dans quelques tours on peut changer. Prends ta promotion, timonier. Timonier c'est bien, champ de vision plus 1. Il me faut le champ de vision plus 1. Il me faut 2 de charbon, tout simplement. Pour avoir mon cuirassé. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Hein. Alors, frégate, frégate, frégate. Ouais, punaise, ça va me prendre des années, ça. Ça va me prendre des années, oui. Donc, tu vas venir ici. Toutes les unités vont venir ici. Vous allez rentrer dans ce territoire. Oh. Dans 2 tours, je vais les upgrade. Alors toi, je peux pas t'upgrade en sous-marin. Viens donc ici. Le colon, tu passes ton tour. Je vais plus te ramener vers chez moi. Quoique je pourrais, je vais l'envoyer tout seul. Je vais l'envoyer tout seul. Et zut. Ouais, je vais l'envoyer tout seul, c'est pas grave. Le spadassin, tu passes ton tour. Donc là, les lignes de Nazca ont été faites. Ici aussi. Regardons ça. Oh, punaise. Ah, c'est bon. Ah, c'est vraiment, vraiment bon. Donc là, pour utiliser le pétrole, je suis obligé d'enlever le. Ah, j'ai quand même 3 pétroles par tour. Aménagement plus 3, consommation plus 3. C'est pas normal. On va prendre Atouza. Voilà, je vais prendre Atouza. Qu'est-ce que tu me demandes comme quête? Avoir un sous-marin. Ouais, je vais prendre Atouza. Comme ça, si jamais il y a une ressource que je n'ai pas, comme comme les chevaux, elle va m'en donner. Donc ici, cette ville a son musée. Je peux mettre des bois. La bombarde, tu passes ton tour. Toi, tu l'attaques.
Donc il a préféré m'attaquer de ce côté-ci plutôt que de l'autre côté. C'est pour ça que je suis resté en vie. Allez, prends une promotion. Défensive plus 10, ok. Allez, on va buter une armée, ça va nous donner des Eraskors. Eraskors plus 1. L'infanterie qui est là, tu vas pouvoir fusionner au prochain tour. Toi, tu restes là. Le canon de campagne, tu te soignes. Toi, tu restes là. Tu vas bientôt monter le level. La catapulte, je peux te monter. Je vais te monter avec, en même temps que les frégates. Allez. Non, là, franchement, je suis en train de faire une guerre qui sert à rien. C'est juste parce que je suis rancunier, donc du coup... je veux lui en mettre une. Mais en fait, le fait d'être en guerre m'aide pour la loyauté ici. Parce que il peut pas maintenir... Il perd des unités sur son territoire, donc en fait, il y a des... Il y a l'usure de guerre qui s'accumule petit à petit, donc ça diminue en fait son activité, qui impacte évidemment sa loyauté et tout ça. Donc du coup, c'est... C'est important. Donc là, on va prendre un artefact. Voilà. L'artefact de Christine. Un javelot. C'est très bien. Ok. J'aimerais bien que la case se réarrange, si possible. Donc là, il y a des cases qui sont utilisées. Bah, lui, il va prendre celle-là et puis ces deux-là. On achètera une case ici pour mettre... Je vais supprimer le musée en plein air. Cette ville a son musée en plein air. Toi, est-ce que tu as ton musée en plein air? C'est parfait. Cette ville n'a pas son musée en plein air. La honte. Cette ville non plus n'en a pas. Donc ça me fait 20 cultures que je n'ai pas. Ok, continue à m'attaquer. C'est très bien. Le Cossack, c'est très bien. Il m'a one shot. C'est pas bien du tout. J'ai perdu la suzeraineté de Atouza. Ok. Pierre. Ok, c'est normal. Donc... Encore un tour. J'aurais pas dû aller tout seul avec ma frégate. Stockholm, t'as fini le parc aquatique. Tu peux me faire la rure. Finesse, tu peux faire la rure. Ah, délicieux. Délicieux. Alors, quelle ville a plus de production? Stockholm a 49 de production. Orebro a 46. Elle a 49 parce que... J'ai déjà l'usine et tout ça. Parce que je les ai achetées. Donc, la meilleure production... La ville qui a plus de collines, c'est celle-là. Donc mieux vaut faire la rure dans cette ville. Donc là, on peut faire la rure. Ah non, il faut finir ton truc. Du coup, toi, ce que tu vas faire, c'est un projet tout pourri. Vraiment. Du pain et des jeux. Du pain et des jeux. Amani est là. On va choper un titre. Donc du coup, quand Amani sera installé, on aura le titre directement. Là, on vient de finir un espion. On va aller dans les villes de pierre, bien évidemment. La Russie, si je trouve ça. La Russie. Cette ville-là. Installe-toi. Ok. Un campus. Un campus en plus un. Non, merci. Un complexe de loisirs. Un complexe de loisirs, ça me dit bien. En fait, la seule case où je peux faire la rure, c'est ici. Donc du coup, ces fermes-là devront disparaître. Tac, tac, tac. Un complexe de loisirs. Activité plus 1. J'avoue que c'est un peu overkill. Ici, avoir un complexe de loisirs. Avoir ici le parc aquatique. Et un autre complexe ici. Cette ville, il pourra pas la maintenir. Il pourra juste pas la maintenir, donc on va la choper. Cette unité sera bombardée par, évidemment, ça. On va réfléchir. Je vais mettre un Watt en attendant. Ok, donc là, je peux toujours pas. On va se soigner. J'ai perdu une frégate, c'est quand même chaud. Je suis pas censé perdre des frégates. Tu peux prendre une promotion, fais-toi plaisir. Allez, rapproche-toi du fun. Construire une mine de charbon et une mine et un cuirassé à vapeur.
Allez. Vas-y, on va accuser l'hérésie. Personne n'a vu ça. Allez, viens sur notre territoire, il soigne toi. Donc là, t'as pris un petit coup. Toi, tu vas pas pouvoir l'attaquer parce qu'il y a une forêt. Parce qu'il y a deux forêts. Bah, toi non plus, tu pourras pas attaquer. Tu peux venir ici. Voilà, on va l'obliger à se rapprocher. La bombarde qui est là, tu vas venir ici parce que... Vous avez vu? Viens donc là. Merci bien. Chinasque. Non mais... Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Toi, tu peux venir ici. Ok. Une forêt. Donc là, tu peux venir ici et là. On va prendre ça d'abord. Voilà. Un artefact de Trajan. On s'en moque de leur provenance, je vous avoue. On s'en moque, mais complètement. Là, notre pétrole ne monte toujours pas. Je vais supprimer cet aménagement. Tu restes ici. Tu restes en défense. T'as fini ton taf. Il y a des bateaux de pêche partout. Tu vas venir ici. Allez, tour suivant. Oh là là. Oh là là, oh là là. Donc toi, c'est une frégate. Je sais pas d'où tu viens, mais tu vas venir ici. J'ai perdu une unité, ouais. C'est ma frégate qui a perdu, qui est morte. Hein. Elle tape super fort, hein, quand même. Ok, la bombarde a tenu le coup. Punaise. Je me prends la tête, mais tellement, mais en plus pour pas grand chose. Les bombardes, je me casse la tête à avoir 40 000 bombardes. Histoire de pouvoir les upgrade en artillerie, qui vont taper un petit peu fort. Mais j'ai même pas besoin de ça, quoi. Voilà, le Cossack est mort. Mais non, mais en fait, il va perdre son avantage quand il va perdre Smolnek. Ok, Moshka est là dans deux tours. Il y a une scierie ici, tu peux ramasser la scierie pour un temple. Patrimoine culturel, masse média. Masse média, je crois que c'est en plein milieu du truc. Donc là, nous avons un titre qu'on peut donner à Amani, celui-ci, moins 2 de loyauté. Voilà. Donc là, moins 2 de loyauté, ça devrait quand même un petit peu accélérer ces petites. Hein? Moins 8. Ici, t'es à combien? T'es à 2,8. Ok. Il y a des projets qui se font près de chez toi, donc. Fais ce que tu peux, fais ce que tu peux. Donc là, on va changer de carte. Guerre totale, manuel d'exercice, on va virer ça. On va mettre du coup ici modernisation formée, forcée, travaux publics, gratte-ciel. Ces deux-là sont pas mal, à défaut de mieux. Attends, j'ai perdu la suzeraineté de Nanmadol ? Non. Pourquoi je peux pas upgrade mes unités ? Ok, donc là, cuirassé. Cuirassé. Je pense que ça va. Cuirassé. Cuirassé. Colon. Voyelle. Catapulte. Tu peux venir. Ah, je pense pas qu'il va lui rester. Il va peut-être lui rester quelques points. Bombarde. Ok, très bien. L'infanterie qui est là, tu peux venir ici et fusionner avec lui pour devenir une armée. Quelle est ta puissance? La puissance est 87 seulement. 87, c'était les Cosaques 2 étoiles. Wouah, punaise, l'arnaque. Toi, t'es combien? Ouais, tu viens à peine de... Ok, on va prendre un Coralien ici, niveau 3.
On peut devenir une bombarde 3 étoiles. Bah vas-y, fais-toi plaisir. Voilà. On a plein de récas, c'est génial. Donc ici, tu vas aller à Meroé encore une fois. J'ai l'impression qu'il y a plein de routes qui ont fini parce que notre argent a beaucoup diminué. Non. Non. Allez, donc ici, tu vas me faire un puits à pétrole, ce qui va me donner un Eureka. Voilà. L'attrait des cases ici, c'est super moche. C'est pas grave. Tu vas mettre une scierie qui est encore plus délicieuse parce qu'elle est à côté de la rivière. Là, nous avons notre spadassin qui peut monter de niveau si on avait un de pétrole en plus. Coucou Amanitore, comment tu vas? Ça va bien? La santé, tout ça? Tu peux pas me vendre ça, alors casse-toi. Qui a du pétrole? On va regarder ça comme ça. Pas de pétrole. Non. Ah, Trajan. Mon vieux pote, comment tu vas? Ouais, j'ai pas besoin de plus. Je clique à côté, je reclique dessus. On a notre unité délicieuse. La caravelle, par contre, ça, il va falloir attendre un peu. Donc là, il faut une mine de charbon. Et un cuirassé à vapeur. Mais le problème, c'est que le cuirassé à vapeur est au-dessus. Donc là, on va juste faire le tour. Nous sommes invisibles parce que nous sommes le corsaire. C'est le sous-marin de l'ère industrielle. De la Renaissance, pardon. Ou même du Moyen-Âge, je sais plus. Alors, ère industrielle, on va regarder technologiquement où est-ce que nous sommes. Nous avons ces unités-ci, qui sont dans l'ère moderne. Donc lui, il me sert plus à grand-chose. Il me sert plus à rien. Donc il faut que j'utilise en fait sa compétence. Transforme une unité navale en armada. Bah toi t'es niveau 2. On va te transformer en armada du coup. La toute première armada au monde est prête à prendre la mer sous votre commandement. Oh, yabadabadou. Alors toi... Allez, tu nous as servi pendant des années et des années. Ok, il veut pas se déplacer. Je vais pas le détruire comme ça. À 3 jours de la retraite, ce serait pas gentil. Souci d'activité, la ville est à combien maintenant? 5 tours. C'était 5 tours. Si ça descend à 3 tours, je serais content parce que j'ai Amani qui n'est pas installé. Ok, cette fois-ci, il me propose 6 pièces d'or, mais des écrits. 113 pièces d'or. Non, 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 non. T'as pris non de maddle, ma petite Séon. Il faut que tu payes. Ok, 3 alliances qui ont terminé. On perd pas... Avant d'arrêter l'épisode, il faut claquer les amitiés. Alliance économique, direct. Punaise, j'ai autant de faveurs diplomatiques, je vous promets. Ouais, je vous promets, c'est tout. Il est en guerre contre personne, donc toi tu peux pas m'aider. Je vais quand même déclarer une amitié, je vais te donner une alliance religieuse. C'est tout pourri. Cléopâtre, j'aimerais tellement te donner une alliance utile. Scientifique, culturelle. Non, je vais garder la culturelle si jamais je suis dans la mouise. Une alliance scientifique, c'est pour toi ça. Ok, donc là nous sommes là. On va s'arrêter là, on va prendre cette ville, on va voir si on peut prendre plus de villes à Pierre. Mais là c'est plus par le jeu de loyauté qu'autre chose. Notre colon est prêt de mourir, on va l'envoyer par ici. Ouais, parce qu'avec cette tempête... D'ailleurs je sais pas si les tempêtes endommagent les colons. Donc ça je ne sais pas. En tout cas nous avons notre flotte qui est upgrade et qui est censée prendre cette ville au prochain tour. Malheureusement la ville n'a pas de ressources. De poissons, tout ça. Donc on pourra pas se soigner. Il faudra être super prudent. J'aurais préféré avoir un cuirassé à vapeur, comme ça il pourrait tanker les choses. Ou le fait qu'il ait un niveau en plus. Donc c'est pas très grave. On verra ça dans le prochain épisode. Donc en attendant, je vous dis merci d'avoir regardé. Et à bientôt sur Memoriam. Allez, salut!